bisupe ya trova e biango suki to sale lo pote to komonango la police américaine ne sikoyo penza ba legisi bande ko balandi mbote na bino boye malamu na kati ya etando na bino etando ya bwanya etando ya mayele etando ya bola musiba indo na pongi etando oye salema na tina kaka moko ya kola musa ba indo banso na kata mokili tina tina ena biso totumbili bino boye malamu na kati ya etando na bino bon mais en autant on y est sur mon arabon au sous-sol et bino mosali dans on y est sur toi rap mais na bino pour notre hôtel et sabino moko y a une mission oyo et le belaka face B de l'Europe. Autrefois dit, Europe est un paradis. Europe est un mokili oyo et ça atteint la rature mon côté. Europe est dans la souffrance mon côté. Bisonion sort de l'otaka, mikili a poto. Bisonion sort de l'otaka, et te toko kende, kuna po et te to émerge kuna. Mazo la kisabiso, ma kam ya lolengi na lolengi. Tinatina ana. Vom télévision, ma kanise qui fait ma kasi ya roloba ete. Ya solo makambo eleka na na photo sima ya kokende pe kozonga ya bandeko na biso ma solo o babete la rabiso Europe ezali bongo lisusu tope lilita ozo ke noko kunda bandeko na biso banso dibulu ya munene prison géante to benga yango kasi misusu bandi marati na roliki ya ete malembe 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 to era tango nyonso liboso na bino pona hotel sabino makambo eleka na na Europe. En Afrique, habite la rue sur ma solo. Tout le monde a un grade ciel, mais misère et Afrique et Europe, pas de monde à rien monter. Des natinana, voir mon télévision, Nanzela, bon, et mon pan de sang, on a bien noté apéro. Tu as attendu mon nion sort. Nanzela, il y a émission à bino face B de l'Europe. Pour total, il s'abino réalité, il y a solo, 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 pensa à Europe. Pour été, il y a européen, ça va sous soli, pour sous soli, bon, imbici, la bande de copains, pour le bataille, la carte à belé Afrique. Pour être épais, ça biso bilingue, pour ça, il y a quoi investir, tout peut y avoir ça, la moussala, pour être tout bon, ça peut y avoir un biso. Nous avons des biso, ah ouais, nous avons la matière nionso, parce qu'il y a photo, matière à ta moko exacte. Parce que vous découvrez, il y a un malem et malem et la kati, il y a une mission à biso. Parce que l'élo, bon, mais ça nous a tout à biso mokoti. Pour être tant au nionso, tu y a un bilili pour un hôtel, il s'est bien. Mais tu as peur à l'obara, 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 y'a moko. Bah tu y a quoi, y'a quoi. Koloba penza makambo pe bango lobaka wana muto oya ko témoigner pona makambo na bazala kate. Dina tina wana biso pe nakata ko tambola tambola na biso. Fikinda ikuta na bongo suna ndeko na biso. Oyo ba wuti na mikili ya poto. Me kasi bakenda ki aller retour. Bazan ndeko oyo ba fandi na mikili ya poto. Uta bo mwana na bango. Batange li pe kuna ba yeko li pe kuna. Etant to kutena bango na biso bango batu mingi batyaka nga tembe. Ba mona ra ete maye biso to lobaka. Et la rapenda la tinate. Maïe au bisou de l'obaka. Et la rapenda l'okuta. Dit tu m'sais bango ete. Le col à bango pe. Ba vivre bon moyoana kuna. Ba ya. Toua kokabolana bango bakanisa. Tope cela. Bande kona biso ba indo. Oyo ba yebi penda mokiliangote. Poete pe sa bango sousou boukasi. Ba kwa bon ko investir na kata na bango. De l'autre monde a bilingue a vu $5,000. A keina mikila poto. $20,000. A sali ba demache kona mikila poto. Mais tant wakoma kuna. Résultat, Chizengi. Et le Kumura Malongo Zate, Azo Nyoka Makutu Pona Ozo Mukanda Kuna, Akomine Mungamba, Akomine Kosukola Sani, Kosimba Bakoko Yamindele. Donc, ils ont ça la biso bongo passe. Dina Tina Wana, Mkolomwa Leno Akata Plato Nabiso, tout ça biso mon côté, tout ça Elongo, Na Ndeko Nabiso, Tata Longa, Elala. Bango Fandi précisément, Namboka ya Paris, la France, et Sikakani, Basala Ramisana, Nabango Nyonso, Pe, et Sikakani, bazali si pomo ina bango kasi ba mona ki ete lokola boloko wana eleki makasi prison wana eleki makasi ba ko wayana biso takata ba bela felika po ete to ba bomo susko sala musala ya ko luka lolenge kani to romatsa pe afrique na biso tata elonga mbote na bino tata mbote na biso boni bino kuna ah kimi ezali na kati ya etumba matondo mingi to lika ndebo lobi kimi na kati ya etumba to sosoni ete boza penza mobundi obozo bunda bo sala makasi po ete boko abon suko la musama kanisa bandeko mwa mingi poze tumbo bino bokoti na kati ah ingeta eza penga ndenge wana donc eza tumba to bi ke toza na tumba donc slogan wana eza ka souvente eza penza cri de guerre pour na biso pe bandeko bo baza na kati tumba maton no mingi to oli ke ete na emission na biso penda ya lelo bo tenir biso penda rigueur makasi te po ete
émission n'importe quelle autre aux attentes ce mois bilingue poète indéco bah ou meliming n'engabu ya France tant mon susu et vous avez la bango moi encore coso poète va pour rien le biso tant susu mais tout le biso c'est bien ma cam susu na lingala ou esengeli penza poète beaucoup à bon colanda car si bah vous savez beaucoup si poète beaucoup à bon hôtel sabiso les natina wana to kei ambona nous pouvons beaucoup à bon go susu là tata ilonga to éviter bino bouti bongo mikili apoto mais yamo tuna ya yambo oto tuna bino poete bandeko ko kozana bosusuli ya mayo bino ko bimisa bino bo kei na poto na mibunini na ba ajing ko leki na donc to singi bolim ici pour mingi to ko loba na français pour ma kati na biso bima penza na lulinge ko biso to na bosse bima donc ce qui cocoso to bandi solution topé donc mais ça le nécessaire pour ma le banabi se dit ma correctement merci beaucoup tata Perro donc nous j'ai quitté le Congo j'avais l'âge de 6 ans donc depuis que j'ai quitté le Congo je suis parti vivre en Europe. Là-bas, j'ai tout fait quasiment. Donc, 6 ans, on est encore un enfant. Et donc, tout le parcours, processus de ce pays, de ce côté, je le connais vraiment parce que j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas, j'ai consommé les produits qui sont issus de là-bas. Donc, je pense qu'il y a toujours des secrets, mais une grande partie des secrets, c'est déjà dévoilé à moi par rapport à ce qui se passe là-bas. Maton no mingi bandeko balani to ulike etende ko bayano li pena mala ke bakina na age ya mibu mutoba to pena age ya 6 ans bo imagine mwana ya age ya 6 ans oye balongoli a bakena ye kuna mala moko to ulike ete azali susu na komoto na ye penza teto be culture na ye abungisi yango deja kuna age ya 6 ans ata so to luki moyen ngeni to ando betele ni solo ta mususu ya village na ye to pe ya moka na ye le col là-bas qu'il n'est qu'une na na roli qui a été barota la suspendre na ouyé biwana penza ma cassité car ceux qui m'ont masolé zali en verre baboti moi les solé coco zala maintenant n'engue ya rosali ça biso boué comme ça des objets dans les solo que des solo na bino ouyé bi réalité ya mikila pour te payer ma réalité ma botte na biso d'ailleurs payer tant que soit comme ikuna que soit au lobby lingala par rapport au bêta on n'était pas na bino payer d'ailleurs bon soit au lobby lingala bas au bêta ils a qui penza bon même tissico donc Minef, la côte na lingala, Bolim ici. Oui, c'est vraiment comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Nos nièces, nos neveux, ils sont tous en train de parler lingala parce que notre famille aussi a beaucoup travaillé pour pouvoir faire sortir les enfants. Et comme beaucoup de parents, beaucoup de familles, le français, entre guillemets, c'est le summum dans la connaissance ou dans l'apprentissage. Donc c'est quelque chose qu'on nous a inclus déjà dès le bas âge. Ok. Mais tant que vous commis dans mes kiliapot, dans l'âge à 6 ans, et tant que ce mois, nous l'ayons voir dans la. Comment on a bien nos pays, comment on a bien nos. Tant que vous avez aucun des mécanismes, vous allez qui n'ont pas beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez la moindre mécanisme d'engagement là? Donc, quand je suis parti, on m'avait donné quelques pièces, quelques francs. On m'avait dit avec ça, je peux acheter un carton de vêtements que on peut prendre de la viande partout. C'est gratuit, tellement il y en a que tout est beau, tout est bien. Et, voilà quoi, entre guillemets, c'est une image du paradis avec lequel j'étais parti déjà. Parce que tant que beaucoup arrivé à au niveau de la France, parce qu'à l'époque, dès que le bar a mingi awa, pas si on a topé la difficulté, on a topé le racisme, on a topé le cocos. Tant que nous avons un mouké, tant que nous sommes un mouké, mais tant que beaucoup sont un mouké, la réalité, par exemple, dans la classe. La salle de classe, nous avons tant que là. La difficulté, nous avons un mouké en tant qu'étranger, est-ce que considération na bino na kati ya salle de classe na considération ya bandeko mususu o za otanga na bango et ala ki ya le lenge ya bokesi mito da yulenge ni merci pour la question déjà petit quand j'ai commencé à étudier dans l'école primaire là où j'étais le seul noir donc forcément je me faisais remarquer plus facilement il y avait malgré que
j'avais appris le français entre guillemets, à 6 ans on est encore dans l'apprentissage de la langue, donc c'était pas forcément évident de s'exprimer ou de traduire ses pensées en lingala en français, donc j'avais du mal à m'exprimer, j'avais vraiment du mal à m'exprimer. Et donc oui, pour les autres enfants, c'était une curiosité parce que... C'est un noir. Voilà, c'est une personne, il parle, il a des cheveux, mais il n'est pas de la même couleur que nous. Il y a d'autres enfants qui venaient, ils pétaient les doigts pour voir si la couleur partait. Des fois, les cheveux, on touche les cheveux. Est-ce que c'est de la mousse, on dirait du mouton? Donc, on n'est pas forcément... confronté, comme vous l'avez dit, en tant qu'enfant, que ça peut être agressif, mais on comprend que l'humanité qu'on a appris de notre côté, qu'on est tous unis, on fait tous partie de la même famille, quand on arrive là-bas, on est confronté aux personnes, tout de suite qu'on voit que c'est pas pareil. J'avais même eu une question qu'on m'avait posée la dernière fois, parce qu'on était parti à la plage en sortie scolaire, et... Donc j'étais avec le short de bain, donc il y a un enfant qui était étonné, on dit « Ah mais en bas aussi vous êtes noir !» Voilà, donc il pensait que juste le haut, juste pouvait, le haut et le bas, mais voilà, pas le bas. Pas le bas, donc okay. Ça c'est vraiment dans la partie primaire sur ce qu'on a pu être confronté à ça. Et après c'est comme tout, hein, on essaie de s'adapter, il y a tout qui change. Mais par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est les premières images qui me viennent en tête. Okay. Maintenant, nous avons dit que 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 nous avons dit histoire nous avons dit histoire nous avons dit que nous avons La Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, le père Fouettard est noir. Donc le père Fouettard, on va le maquiller. Quand tu as un maquillage, il y a quoi comme un mouine. Pour permettre, donc, le Saint-Nicolas a pembe, ce qui a pembe, mandé, fois pembe, tout est pembe. Mais, père Fouettard, a un mouine. Si on a eu, on a même au niveau de l'école. Bengi père Saint-Nicolas et tout ça père Fouettard moni mout pas parole noire et tout ça moi si j'ai la curiosité oh ba na mbena mindela wa saki ngabi unte oh yo mout mindu te parce que morphologie na za yangote na kenda iskola sibi boy na tali kuna bia balongoli ezo longwa mais ya biso elongwa kite mais elo on na ngata sa na kat parce que le père Fouettard est méchant Saint-Nicolas est gentil donc ça veut dire que la méchanceté ba attribuer mona mout mindu. Donc, et puis, qui est recommandé à niveau école, tant que qui que père Fouettard, Balouki, jeune, moro, et moutoumouine, de Bachéye, père Fouettard. Donc, on est dans la réalité, haute de vivre, même à niveau Europe. Si quoi, la bino moko, tant que vous sentir que Babilo, qu'on est là, qu'on colle, et l'eau qu'on est, comment il colle, qui sait, parce que la personne qui a déjà qui nous a différent là-bas, mais ce que l'eau qu'on est pour ceux qui ont les sous-sous, pour la qui sait, ok, yoza penda différent. Par rapport à vie au qui mené par exemple tout le bac et banda ou que nanda ou que ce qu'on a économie de vos enfants et tout ce que vous avez la différence ou n'a pas quartier pour nous enfants n'a pas quartier oyo banam de vos enfants et à qui différence et à la qui topé la guinée à différence il y avait beaucoup de différences mais en grandissant je pense que mon père il avait souvent une phrase qui répétait c'est un cerveau qui ne réfléchit pas est un cerveau mort. Donc j'ai toujours eu cette analyse à réfléchir, à essayer de comparer, à comprendre. Donc tout de suite, quand j'ai été confronté à tout ça, ce qu'on vient de parler, j'ai vu qu'il y avait déjà une différence. Donc ce qui veut dire quand on partait par exemple sur les goûters d'anniversaire avec les amis, ça n'a rien à voir de là où nous on habitait et de là où eux ils habitaient. Parce que là où on habitait, c'était comme tout à l'heure vous avez utilisé le terme de prison,
mais moi je vais utiliser le terme de ghetto, c'est vraiment ghetto. Ça veut dire qu'on avait c'était pas des maisons, parce que quand on parle de maisons chez des amis blancs, c'était des pavillons, des grandes maisons, des espaces, de la piscine, avec des horaires de repas bien précis, le jardin, le chien, le chat, donc avec l'espace pour vivre pour tout un chacun. Alors que nous, là où nous étions, c'était des bâtiments, des grands bâtiments avec plusieurs étages, des appartements, on était tous là, avec un magasin à côté, un petit terrain de foot à côté. Donc tout était fait pour que nous restions dans notre cadre et que nous soyons contents de cette situation, sans pour autant voir qu'il peut y avoir mieux à côté ou ailleurs. Donc c'est les différences que j'ai vues. Mais bon. Quand on est là-bas, malgré le jeune âge, on sait que ce n'est pas forcément notre pays et on ne peut pas forcément avoir les mêmes avantages que comme si on était chez nous. Donc ce déséquilibre-là, même si on a la volonté de pouvoir le bouger, la structure politique, la structure sociale, la structure idéologique, même si on revient sur les enfants, c'est-à-dire que pour qu'un enfant prenne le temps de mettre le doigt dans le V, ça veut dire qu'on n'a pas appris cette humanité, cette culture de l'autre. Donc il le découvre en même temps qu'il m'a vu. Donc c'est une situation qui est tout à fait réelle. Il y a une vraie différence entre... et entre guillemets, la population noire étrangère et la population européenne là-bas. Ok, mais dans le cas où il y a les lots, ce que vous avez dit, solo, que différence soit les alliés. Parce que vous avez dit que vous parce que Mingi avez dit que France avez dit que par exemple, on est équipe de foot. Ou autre temps, la France l'équipe de foot. Vous avez France 98, équipe qui a gagné Coupe du Monde 98, là où ils ont gagné Coupe du Monde, c'est quoi? Tout le monde, la majorité, va dans la carte. Tout le monde, il y a un bon bon et il y a un salaire. Il y a un bon 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 tout bien à ghetto ici là tous allés bon moyen malongo exacté bande que belle la zone du mangote est-ce que pour naio pour que le bani ni pour na bande quoi la zone du matéwana pour na pour ne pas donner un exemple dans l'équipe de foot pour ils ont mon équipe donc par rapport à cette question il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Si on reste sur l'exemple du football, il y a Patrice Evra, c'est un ancien capitaine de l'équipe de France. Il s'était exprimé dernièrement, donc il avait dit des vérités qui n'ont pas forcément été dites. Il a dit chaque fois qu'il y avait le rassemblement d'équipe de France, dans les boîtes aux lettres ou dans les enveloppes, il recevait entre guillemets du caca, excusez-moi du terme, hein, si ça peut choquer, en lettres sur, pour le président et ainsi que pour la fédération, en leur disant on ne veut pas de vos excréments, on ne veut pas de vos excréments, on ne veut pas de vos singes qu'ils retournent vivre chez eux en Afrique et qu'ils retournent sur leurs arbres. Donc c'est des réalités qu'eux ils ont rencontrées de l'intérieur mais qu'ils n'ont pas forcément mis en avant parce qu'ils étaient contraints sur du sport. Deux fois sur le journal de France Télévisions, quand on regarde le journal de France Télévisions, c'est un journal qui passe partout dans le monde. On regarde, on voit il y a des personnes qui parlent du fromage, qui parlent du vin, qui parlent de la Tour Eiffel, qui parlent des campagnes, qui parlent. Donc quand on regarde ce journal, on a vraiment l'impression qu'on est dans le paradis. Alors que quand on est confronté à la réalité, on se rend compte que c'est pas ça. Il y a des personnes qui dorment dans la rue, il y a des personnes qui se font tabasser dans la rue parce qu'ils sont noirs, il y a des personnes qui se font expulser à tout va, donc ils dorment dans des situations qui ne sont pas possibles. Il y a d'autres personnes, toujours dans ce cadre-là de se miroiter un paradis ailleurs, il y a beaucoup de communautés, surtout au niveau des femmes. Quand elles viennent en Europe, elles ont dépensé tout l'argent, ils ont investi tout leur argent qu'ils avaient en Afrique. Arrivant en Europe, par rapport aux passeurs qui les ont fait passer, ils ont une dette. Souvent, il y a des personnes qui sont prises dans la prostitution
pendant environ de 5 à 10 ans. Donc ça dit que cette dette, pour pouvoir le rembourser, ils sont obligés de vendre leur corps. Donc chaque jour, imaginez le nombre de personnes qui peuvent les rencontrer, le même de personnes qui peuvent le fréquenter. Donc toute cette sensation de saleté ou de regret ou de culpabilité, elles ne peuvent pas forcément le raconter à leur famille. Ouais. Donc à chaque fois, du coup, quand ils vont envoyer de l'argent ou faire un geste, ils vont forcément faire miroiter, faire en sorte d'expliquer que tout va bien, tout se passe bien et que tout va bien pour eux. Donc dans le même style, c'est pour ça que en tant que jeunes, nous, on refuse l'héritage que nos grands frères ou nos parents nous ont laissé. Cet héritage comme quoi, si on doit venir en Afrique, on doit ramener de l'argent, on doit ramener des belles montres, de beaux vêtements, faire voir que l'Europe c'est le paradis. Parce que quand on vient avec ces genres de mentalité, c'est ce qui empêche certaines personnes qui sont en Europe depuis des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ne reviennent pas, parce qu'on sait que l'argent n'est pas facile à avoir. Il y a des personnes qui se lèvent très tôt le matin, qui travaillent 12 à 14 heures par jour pour pouvoir avoir quelque chose à mettre sous la dent. Et dans ça, on ne parle pas de l'argent qui est coupé par l'État, au moins 40 à 50%, sans compter les charges de loyer, etc. Donc, toute cette pression, nous, en tant que jeunes, on refuse ça. C'est-à-dire que nous, si on veut revenir dans notre pays, dans notre continent, on va rentrer le cœur tranquille et pour pouvoir faire ce dont on a besoin. Parce que, en tant que jeune qui habite ici dans le continent, quand on voit ce genre de situation, une personne qui revient de l'Europe avec une belle montre, avec une belle voiture, même si on vient pour leur donner ce genre de sujet, ce genre d'éléments que nous on a vécu depuis notre enfance, ils ne vont pas forcément accepter, ils vont croire que c'est de la mauvaise foi. On ne veut pas qu'eux aussi profitent de cette situation. On va dire comment ça se fait, il y a un tel, il est venu, il avait sa montre, il avait sa voiture et tout, mais ils ne savent pas qu'est-ce que la personne a fait de l'autre côté. Ils ne savent pas comment est-ce que la grande sœur, le grand frère ou le parent a fait pour récupérer cet argent. Ils ne se demandent pas comment ça se fait que mon cousin, mon oncle, mon père qui est parti depuis des années, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas souvent en Afrique comme le font certains. Donc ça, c'est une réalité. Donc cette réalité, on est confronté à ça de plusieurs manières possibles. Souvent, on voit dans des villes, dans des quartiers, des personnes quand ils sortent de chez eux, ils sont bien apprêtés, ils sont bien habillés, ils sont bien coiffés, ils sont bien maquillés. Ils sont propres, quand on les regarde, ça donne envie de rencontrer cette personne, de parler avec cette personne. Mais sauf que si on regarde là où elle habite, là où elle dort, on verra que c'est du n'importe quoi. La vaisselle, elle est remplie, les pantalons sont n'importe où, il y a des animaux qui se baladent, on se demande même si c'est des animaux qui peuvent être mangés ou juste qu'on doit tuer. Donc on ne sait pas. Donc, moi, je connais justement dans même idée, je connais un monsieur, je ne veux pas dire le nom ici, en fait, tous les musiciens, le citer dans des chansons. Mais ce monsieur dormait, résidait dans une voiture. Okay. Et quand il sortait de la voiture, en Belgique, vous voyez, belle montre, toujours bien habillé, mais le monsieur dormait dans la voiture. Donc voilà, c'est cet exemple d'héritage que nous on refuse. Moi je vais rentrer, profiter de mon continent, profiter de mes proches, repartir, revenir sans avoir à subir ce genre d'héritage. Donc nous on refuse cet héritage, on veut se projeter sur autre chose. Quand on parle d'image, si je reviens un petit peu en arrière par rapport à l'histoire de la jeune fille, en Europe, ce qui se passe souvent, tout à l'heure j'avais pris l'exemple du journal télévisé, ce qui se passe souvent c'est que au niveau de la relation homme-femme, ils ont fait un mécanisme qui trouble un petit peu la population noire. C'est-à-dire que quand on regarde des couples blancs, on peut prendre des exemples des personnes célèbres avec qui ça peut parler. On peut prendre Zidane avec sa femme. Donc on voit comment le comportement, même quand il vient pour signer son contrat, sa femme elle est là, elle le soutient. On peut prendre l'exemple de DSK avec l'histoire qui lui était arrivée. Sa femme, malgré les accusations lourdes qu'il avait subies, sa femme ne l'a pas laissé, il l'a soutenu jusqu'au bout. Et donc c'est des exemples que eux, ils appliquent au quotidien. Mais ce qu'eux, ils montrent en revanche, c'est des histoires des couples, la liberté de la femme, l'homme doit crier sur le mari, l'homme ceci, l'homme ceci. Et en plus de ça, il y a des droits qui sont faits qui poussent, entre guillemets, des personnes à préférer divorcer, à préférer se séparer, vivre seul, pour pouvoir toucher la CAF, pour pouvoir toucher de l'argent de l'État. Donc forcément, cette situation ne permet pas d'avoir une bonne éducation pour les enfants. Donc on retrouve beaucoup des jeunes qui prennent de la drogue, qui dorment à l'extérieur, qui font n'importe quoi, c'est des bandits, ils parlent mal, ils ne réfléchissent
pas, ils ne pensent même pas à leur avenir, ils ne pensent même pas à retourner en Afrique. Donc tout ce cadre qui est détruit n'est pas favorable à l'émancipation ou au changement de notre situation qui est déjà très difficile en Europe. Ok, mais en parlant justement de ça, Tomoni Bamabota Ibele, à niveau de l'Europe, on a beaucoup expliqué, on a un divorce, et ça, on a un peu de temps. Mais à niveau de la communauté, parce que quand vous arrivez quelque part, il y a une communauté congolaise, une communauté camerounaise, la communauté en Ezali. Mais surtout, à niveau de la communauté, nini bazo tient en place pour permettre notamment. Population africaine, bien congolaise ou camerounaise, peu importe le pays, pour pas quoi offrir dans ma langue, pour pas n'avoir autant de soubas dans l'instruit. Parce que quand on regarde chez les Arabes, par exemple, vous allez remarquer qu'il y a des quartiers uniquement des Arabes. Vous avez des magasins des Arabes, des enfants qui travaillent à l'intérieur. Dès qu'ils finissent ses études, il y a directement les parents vont orienter dans les Kamboumoroboué. Mais chez nous, les Africains, regardons un peu même nos quartiers, Château Rouge. Quand vous entrez à l'intérieur, je pense que ce ne sont pas les Noirs qui nous vendent la marchandise noire. Ce sont les Pakistanais et les Indiens et les Chinois. Vous allez, c'est pareil au niveau de Matongé ou Port de Namur à Bruxelles. Pourquoi, qu'est-ce que la communauté est en train de faire pour organiser notamment la population sur place? Ça c'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Au niveau de la communauté noire, en tout cas en France, donc moi je parle de la France, là où j'ai beaucoup plus vécu, il n'y a pas grand chose qui est fait de ce côté. Ça veut dire que vous avez pris l'exemple de Château Rouge. Château Rouge, c'est une déventure. Ça veut dire que si on voit qu'il y a un noir qui est debout, qui vend, c'est que derrière, il y a soit des Libanais, soit des Arabes, soit des Occidentaux qui sont derrière. Ça veut dire qu'au niveau de la productivité, on ne produit rien. On ne fait rien de manière à être soudé et à aller de l'avant. Ça veut dire que toutes les productions qui sont faites, c'est juste pour la consommation. On consomme le football, on consomme la musique, on consomme les bières, on consomme les habits. On consomme, donc tout ce qui a consommé, on consomme. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent acheter une chemise à 1000 euros pour anticiper que quand il va prendre une photo ou quand il va rentrer en Afrique, on voit qu'il a de l'argent. Donc c'est que de la consommation. Il ne va jamais penser à produire, il ne va jamais penser à créer une association pour se serrer le coude et le faire. Donc les autres communautés le font. Les Arabes le font, les Asiatiques le font. Mais quand on regarde l'Africain, c'est comme si il est venu en Europe que physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a que le corps qui est venu. L'esprit, on ne sait pas si c'est resté en Afrique, on ne sait pas si c'est resté dans les avions, dans les bateaux, on ne sait pas. Donc il n'y a que le corps qui est venu. Et le corps a besoin de vivre. Et pour vivre, le corps a besoin de consommer. Donc l'Africain consomme. Donc tout ce qui est à sa disposition, il consomme. Tandis que les Asiatiques, eux, ils ont tout ramené. C'est-à-dire que quand ils sont venus, ils ont ramené la langue. Ils ont ramené leur commerce. Ils ont ramené leur restauration. Ils ont ramené leur économie. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fondamental. On ne voit pas les Asiatiques aller quémander, on ne voit pas les Asiatiques dormir dehors. Est-ce que vous avez déjà vu un Asiatique dormir dehors en Europe? Non, pas du tout. Cherchez vraiment, hein? Non, mais moi, je n'ai jamais vu. Hein. Même, bon, peut-être les Arabes, je veux dire, il peut y avoir des mendiants ou des gens qui demandent de l'argent, mais Les Arabes, je vais venir après, mais les Asiatiques, voilà. Non. Ils ont leur structure. Ils ont leur structure de A à Z. Des fois, quand ils font des émissions télé, ils parlent chinois dans leurs émissions télé. Les émissions de téléphone ne leur intéressent pas. Quand ils regardent la météo, ils regardent la météo de la Chine. C'est-à-dire qu'une personne qui est en France, il sait que là-bas à Pékin, il fait 32 degrés. Donc, ils sont partis avec tout. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils savent que ce qu'ils vont faire ici, c'est pour pouvoir repartir en Asie, pour pouvoir construire quelque chose. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce que les Asiatiques sont en train de faire. Même ici en Afrique, je suis venu, j'observe autour de moi, donc je regarde comment les Asiatiques sont en train de travailler. Bah, tous ceux qui font, même ceux qui produisent ici, on dirait qu'ils ne le produisent pas pour le vendre ici. Ils le produisent, ça repart en Asie encore. Donc ça veut dire que quand ils se déplacent avec leur culture, leur mentalité, leur état d'esprit, tout. Chez les musulmans, c'est également la même chose. Sauf que les musulmans, on connaît comment ils ont leur comportement là-bas.
c'est pas à expliquer. C'est pas à expliquer, on connaît tous. Donc si des personnes ont déjà vécu en Europe ou ils ont déjà vécu dans un endroit là où les Arabes sont majoritaires, on sait comment ça se passe. Donc malgré ça... Ils sont quand même en train de s'imposer dans l'économie... Je veux dire européenne, on va dire. En vrai, pas encore, hein, là c'est juste mon observation. Des fois, on pense que les Juifs, ils ont une mainmise ultra présente en France. Mais les Arabes, ils sont quand même. Parce que les Arabes, ils mettent la pression sur tout. Au niveau politique, ils ont une voix qui s'entend. Au niveau de la communauté, de la religion, ils s'imposent. Donc, ils donnent l'impression qu'ils sont en retrait, mais ils ont... une mainmise concrète dans la situation en Europe. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec tout. Ils sont venus avec leur langue, parce que de 0 à 5 ans, les enfants arabes, déjà ils portent les noms arabes, Mohamed, Ismaël, etc. Ils parlent que arabe, parce que dans leur mentalité, ils considèrent que l'enfant, s'il doit apprendre le français, il va l'apprendre à l'école. Contrairement à nous, quand nos enfants, quand ils naissent, je veux dire, au niveau de l'Europe, la première langue qu'ils vont apprendre, c'est le français. S'ils sont en Espagne, c'est l'espagnol. Mais tout le reste, même le lingala, on va même te taper ou te chicoter si jamais tu parles le français. Lingala. C'est le français. Moi, si je reviens un petit peu en arrière, moi, le lingala, si c'était oublié, je l'aurais oublié. Parce qu'il n'y a rien qui favorise le fait que tu parles le lingala. Dans ta famille, on parle le lingala. À l'école, tu es le seul noir, tu parles français. Pardon, on parle français. À l'école, tu parles français. Dans le commerce, tu parles français. T'appelles à la maison, on parle français. Donc, si c'est pas. Donc, il y a des personnes qui ont quitté l'Afrique, j'ai des amis qui ont quitté à 15 ans, 14 ans. Aujourd'hui, ils ont du mal à parler lingala. Bien sûr, voilà. On est pas mal. Donc, eux, quand ils arrivent, ils ramènent toute leur culture. Tandis que nous, les Africains, on laisse tout. Il n'y a que le corps qui vient. Donc, forcément, au niveau de la productivité, il nous manque quelque chose. Donc en réalité, on part comme un instrument de production sur place et puis un instrument de consommation. De consommation. Donc on est là pour produire pour l'occidentaux et puis tout ce qu'on produit, on le consomme nous-mêmes. Donc on est là pour faire marcher l'économie, faire tourner l'économie européenne. Maintenant, nous avons dit qu'on a dit qu'il y a été bossé dans la bise au président de Boukébignonso pour être maïo et aux hôtels de Sahara et ça m'a tué à ma casse. Kasi, nous avons dit qu'on a Europe paradis. Parce que dernièrement, on a commencé à niveau à Paris. On a commencé à faire des choses. 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 On a bazo zanga même musala ya kosala ba fandi wana pe bazo sala bazo senga senga mbongo tant to tuni mutuna ba yesu biso keno bandeko wana bazali bandeko oyo oboyokaka ba clandestin bandeko oyo balongwaka na bafuta ba $10,000 ba $20,000 ba ju masuwa ba kati mer méditerranée ba komi tant ba komi ndenge ba komaka yotali eza grave na ebite position wana obino bo vivre na kati parce que nous kenana bo mwana. Tant que nous sommes dans lesquels nous sommes, mais tant que nous sommes dans la réalité, nous sommes dans la réalité. En réalité, comme vous l'avez dit, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Parce que cette situation ne devrait pas arriver. Parce que peu importe le continent, le pays du continent africain, je parle du pays dans le cadre actuel sur lequel on se situe, a forcément quelque chose de précieux. Le Mali, ils ont l'or, ils ont l'uranium, au Gabon, ils ont le pétrole, Brazzaville, ils ont le pétrole, Kinshasa, bref, on n'en parle pas. Ça veut dire que cette condition ne devrait pas exister. Cette condition ne devrait pas exister. Mais malheureusement, c'est le cas. Souvent, des images reviennent, ça devient normal. Ça devient normal. Ça veut dire que... quand il y a des fourmis qui meurent ou des mouches qui meurent, on ne prête pas attention, on ne calcule pas, c'est insignifiant. C'est-à-dire que l'homme noir, partout où il est dans tous les continents où il se trouve, il est devenu insignifiant. On a vu l'histoire du noir qui s'est fait étrangler avec le genou. En Chine, on sait comment ça se passe. Ils ne peuvent même pas rentrer dans les magasins pour pouvoir acheter ce dont ils ont besoin avec leur propre argent. En Europe, n'en parlons pas, il y en a beaucoup de tous les endroits.
en Arabie Saoudite ou même dans les pays maghrébins, c'est pareil, c'est la même chose. En Afrique même, c'est également pareil. Ça veut dire que on a le potentiel, donc on a le potentiel de pouvoir tout faire, sauf que notre compréhension ou notre volonté ou notre manière de voir les choses n'est pas dans le faire. Par exemple, en Europe, s'il y a une chaise qui est cassée, on va chercher quelqu'un pour le réparer, pour pouvoir retrouver la solution, pour l'arranger, ou encore on va fabriquer un nouveau. Alors qu'ici, on a tendance à délaisser les choses, se gâter, parce qu'on ne prête pas intérêt. Parce que souvent, les religieux disent tout ce qui est sur terre va passer, nous on attend une vie meilleure plus tard au paradis. C'est la même chose. Mais justement, ici, avant de passer justement à cette étape, mais il y a un problème sérieux. Parce que vous parlez de religieux, des communautés, je dis c'est des communautés, des églises qui sont sur place, je dis il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Mais quand on regarde la vie des Africains sur place en Europe, en tant que communauté ou des églises, des gens qui sont spirituels ou bien là, je veux dire, qui sont saints, mais ils ne sont même pas prêts à dénoncer tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que tous ces gens n'arrivent pas à dénoncer tous ces genres d'injustices que l'homme noir est en train de subir? Parce que les églises qu'ils ont construit sur place, ce ne sont pas des églises où il y a des blancs, mais ce sont des églises où il y a uniquement des noirs. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à avoir un peu de compréhension par rapport à tout ce qui se passe avec nos frères au niveau de la rue et tout ça, tous les clandestins et tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cette compassion avec et même les dénoncer, tout ce qui se passe sur place? Pour cette question, c'est dans la continuité de la réponse que j'avais déjà commencé à donner, dans le fait que ils ont tendance à délaisser, donc leur vision c'est vers l'Europe, leur vision c'est vers un monde meilleur, c'est-à-dire que le continent il en existait, ils sont déjà en Europe. Maintenant qu'eux ils sont en Europe, c'est plus l'Europe qu'ils veulent chercher, c'est maintenant le paradis ou le salut individuel. Donc dans ce cadre-là, dans cette optique-là, ils n'ont pas cette même clairvoyance des choses. Pour ça je vais prendre un exemple. Quand j'étais jeune, on se baladait dans des trains, dans le RER pour aller vers Paris. J'ai rencontré une jeune femme, donc elle était blanche avec un appareil photo touristique. Donc j'étais vraiment très jeune. Donc je suis allé pour l'aborder, on a commencé à parler, on a échangé pendant que d'autres amis ils étaient de l'autre côté, on était en tête à tête en train de parler. Et lors de la discussion, j'ai posé la question, vous êtes de venez d'où? Parce que vous n'avez pas l'air d'habiter ici à Paris. Elle m'a dit, je viens de la Belgique, mes parents habitent aussi sur Paris, je viens pour visiter, prendre des photos, etc. Et je dis, ok, moi je suis Congolais, donc nous sommes une ancienne colonie, etc. Donc en étant joyeux et tout. Et la jeune femme, elle a commencé à pleurer et à s'excuser. « Oh non, je suis vraiment désolé, pardon, etc. » Je n'ai pas compris, je dis « Mais pourquoi tu pleures ? » Ça c'est des histoires, c'est déjà passé depuis, il faut vivre de notre jour, il faut aller de l'argent, on est tous unis, etc. Elle n'en demordait pas, elle était en train de pleurer, elle s'est excusée, limite elle s'est mise à genoux. Je dis, cette histoire, ça m'a intrigué, je me suis dit « C'est pas normal. » Ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller voir dans cette partie. Donc, quand on s'est séparés, on a échangé des numéros, on s'est parlé après. Mais de mon côté, je commençais à faire des recherches pour savoir ce qui s'est passé. Et là, je vois que ce qu'on nous vend comme quoi c'est quelque chose qui est passé, c'est quelque chose à oublier, c'est quelque chose à aller de l'avant, c'est quelque chose à vivre la fraternité. Tout ceci, c'est une image qui nous est donnée pour ne pas revendiquer, pour ne pas se mettre en colère ou pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Donc c'est ça, c'est comme un voile qu'on a mis sur nos yeux pour pouvoir chanter, pour pouvoir remplir les églises en Europe, pour pouvoir prêcher l'amour du prochain, alors que dans les faits, les dégâts sont là, les dégâts sont présents. La conférence de Berlin est toujours présente, les massacres se font toujours. Les exportations de nos biens se font toujours et les Noirs continuent toujours à souffrir en Europe. Donc ça veut dire que cette présence d'esprit, ils ont comme un voile. Donc ce voile-là, c'est un ensemble.
Donc ce voile est maintenu par des personnes qui ont envie de récupérer ce dont on a besoin. Si vous vous dormez, et que moi j'ai besoin de vous voler, je n'aurai pas besoin de vous réveiller. Oui, parce que si je vous réveille, c'est fini, je n'aurai plus rien à prendre. Bien sûr. Donc voilà. Donc je vais utiliser la stratégie du moustique. Je vais souffler un peu de l'air pour t'endormir. Pendant que tu dors, je pique, je prends et c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ces dénonciations ne se font pas. Parce qu'eux, ils sont en train de vivre dans l'amour du prochain, dans l'amour du Christ ou dans l'islam ou peu importe. Ils ne sont pas dedans. Alors que quand on voit les autres communautés, ils sont concrets, ils sont concis, ils vivent dans la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les pays ou les continents qui étaient derrière nous dans les années 60 et 70, aujourd'hui, ils sont bien de. Une petite question, est-ce que la misère existe en Europe? Ah ok. C'est une petite question. Oui. Moi, je ne sais pas si on peut poser des questions, mais... On demande, est-ce qu'il y a des SDF blancs qui vivent en Europe? Est-ce qu'il y a des pauvres blancs? Est-ce qu'il y a des... La misère. La misère, oui, on parle de la misère. Il y a une association qui chante chaque année, là, qui a été créée par Coluche. On les appelle les enfoirés. Ils sont là pour chanter, pour essayer d'aider les sans-abri, les personnes qui n'ont pas d'endroit pour dormir, les personnes qui dorment affamées. Donc voilà, c'est-à-dire que s'il y a des associations qui sont comme ça, c'est que forcément il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont pauvres. En France, il y a 66 millions d'habitants, il y a 10 à 15 millions de chômeurs. Il y a des personnes qui travaillent en intérim. En intérim, c'est aujourd'hui on a besoin de toi pour deux jours. Tu viens travailler deux jours. Après le reste du mois, tant pis pour toi, trouve ta solution. Donc si c'est ça le bonheur, voilà. Mais moi je dis, les yayas, les papas, les mamans, dites la vérité. Soyez concrets. Le fardeau que vous nous avez laissé, nous on n'en veut pas. On n'en veut pas. Nous, on veut revenir dans notre continent tranquille. On veut partir faire nos business tranquille. On veut construire ici tranquille. Parce que cette mentalité de fuite en avant, en disant que ici, il n'y a rien à faire, ici, c'est sale, il faut que j'aille habiter là où c'est propre. Vous n'avez pas eu peur de. Parce qu'on nous disait à l'époque, quand on était enfant, ah non, si vous rentrez en Afrique, Bando Kibazali. Bando Kana, vous, on avant. Moi, on m'a tout dit. Non, moi, on m'a tout dit. Moi, on m'a dit. Parce que quand je suis revenu, on m'a dit, il y a la guerre. C'est-à-dire qu'il y a l'insécurité, quand tu arrives, on va te tirer dessus, on va te poignarder, il y a des colonnas, on m'a dit tout ça. On m'a dit, là-bas, il y a des maladies, il y a des virus de partout. Aujourd'hui, la tendance s'est un peu inversée, mais bon, il y a des virus de partout. On m'a dit, là-bas, ne bois pas d'eau, ne mange pas, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mbassou, nanani, donc tout. C'est-à-dire que si toi-même, là-bas, tu dis... Faut vraiment que je revienne en Afrique, au moins que je vois la terre de mes ancêtres, on te dit tout ça, surtout avec les émissions télé, voilà, les films les qu'on voit, tous, etc. Ça. Tu dis non, tu dis finalement Macron, il n'est pas si mauvais que ça. Tu commences à réfléchir à d'autres termes et tu n'as pas envie de rentrer. Et c'est justement ceux qui veulent. Parce que eux, ils sont ici, ils sont contents, ils mangent bien, ils ont des bons endroits, ils ont des terrains immenses, ils vivent. L'air parfait, on respire, on est en t-shirt. La pluie, hier il y avait la pluie, une pluie incroyable. On regarde la pluie, on voit vraiment que ça c'est de la pluie. C'est pas des pluies comme on voit là-bas, des pluies sans tonnerre, sans rien. Donc dès qu'il y a de grosses pluies par exemple comme ici, c'est l'inondation partout en France. Ah. Moi j'ai vu des poulets qui couraient là, j'ai essayé de m'en approcher, il y en a, il m'a regardé, il a fui. Là-bas, ouais. Va voir des poules. Les poules là-bas, ils bougent pas. Ils bougent pas, ils sont sur place. Ils te regardent. Ils regardent. Ça, c'est ceux qui sont intelligents, ils regardent, ils se rendent compte qu'il a posé quelque chose. Ça, c'est les plus intelligents. Mais les autres, ils continuent. Tac. Voilà. Il va prendre des œufs, mais sans savoir qu'il a pondu. C'est ça. Et encore, ces mêmes poulets-là, dans les châteaux rouges, on en revient encore aux châteaux rouges, ou dans des commerces, ils vont te vendre un carton de 24 ou 23 poulets, ils vont te le vendre 10 euros. 10 dollars, 10 euros. Tandis que eux, deux cuisses de poulet, ils vont l'acheter par exemple à 35 ou 40. Réfléchir. Donc voilà la misère en Europe, la souffrance en Europe. Les lots, Yambagi Penza, Tatanabiso, Tatalonga. Donc, comme il prenait la souk à l'émission d'Abiso, tu vois, de l'air développé, mais tu relis qui a été dans le numéro, nous sommes tous les Sabino, le quoi la Bozana dans ces jours. Ah, tu as développé, puis ma cambo, oh, Italie, Kozalanabino, moi, on a raté la France, puis ma cambo, Italie, racisme, ma casse, au niveau, il y a France, parce qu'ils ont maté présent ma casse.
na ebité na ndenge boye lelo moi lelo ba moko pona au succès programme de semaine comme lelo pona émission de semaine comme lelo te tri nous moi une minute pourquoi bon hôtel c'est la bandeko po et bino boza a en Afrique d'Afrique nini penza trop iko sala po et permettre biso ba bilenge au basa kuna ba ko bon au succès toujours malgré ton Afrique po to tonga na bien merci pour m'avoir donné la parole une dernière fois avant de pouvoir clôturer. Il ne faut pas qu'on s'endorme. Parce que c'est, pendant qu'on dort, il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre. Donc pendant qu'on dort, d'autres personnes sont en train de vivre. J'ai parlé avec un grand frère qui m'avait dit, je regrette, parce que mon père m'avait demandé d'acheter des terrains, de construire, de faire quelque chose ici. Mais je ne l'avais pas écouté parce que mes pensées étaient ailleurs. C'était déjà vers l'extérieur. Aujourd'hui, je reviens. J'ai envie d'acheter à côté de là où mes parents habitent. Les prix ne sont plus abordables. Ça veut dire qu'entre le moment où il avait eu l'information et le moment où il a eu cette envie, il s'est écoulé un temps. Et forcément, le temps a modifié certaines choses. On arrive dans une situation, la situation dans laquelle on se trouve maintenant, c'est des situations qui sont inédites. Quand on a grandi, l'islam n'était pas aussi présent. Quand on a grandi, les Asiatiques n'étaient pas aussi présents. Quand on a grandi, les Indiens n'étaient pas aussi présents. Quand on a grandi, la technologie n'était pas aussi présente. Là, on a la capacité de tout faire. On a la capacité de tout chercher. On a la capacité de bien coopérer. Donc, on est un peu minoritaire. Quand on dit on est un peu minoritaire, c'est-à-dire que je suis jeune. Ce genre de réflexion, ce genre de parcours, ce genre d'initiative que je suis en train de faire, ce serait bien que d'autres personnes puissent le faire. Parce que aujourd'hui, si on regarde l'avenir de demain, c'est nous et c'est aussi les petits frères ou les enfants qui sont derrière. Si on regarde le comportement de l'homme noir de manière générale, entre l'alcool, la danse, la musique, le football, etc. et qu'on fasse la projection que ces jeunes, ce seront eux les parents de demain, ce seront eux qui vont construire l'Afrique de demain, est-ce que ça nous rassure ou est-ce que ça nous inquiète? Donc c'est un appel pour prendre conscience, c'est un appel pour pouvoir se rassembler, c'est un appel pour pouvoir aller de l'avant et faire quelque chose de concret pour ne pas avoir à le regretter et surtout pour permettre à nos petits frères, nos neveux, nos nièces d'avoir un espace qui sera plus ouvert que ce que nous sommes en train de vivre. Ok, ça va. Merci beaucoup. Un petit coucou. Ah, donc pour le coucou. À une personne. Bon, une personne, je vais faire un tir groupé. Je remercie tous les Némois qui sont du côté de l'Europe, du côté de France, toutes que vous êtes. Merci du soutien que vous mettez dans cet effort, dans cette reconstruction. Et nous avons encore besoin de vous, donc je vous remercie beaucoup. Matin le mingi bandeko balandi toroli ka ete za vuvamu télévision etando ya bosomi ya bayindo tango ya bosolo penza toroli ka ete esili bon kokoka po ete bilenge ya Afrika ba ya bon soko tonga be na bango tina ya ngwana émission oyo salami face B de l'Europe de l'autre ya mbaki bongo susu oyo ya biso mobundi tata longa elala ba ya kibongo na tina lisusu ya kosembola pe ya kotalisa mikili ya poto na robanza ete za ya ebele kasi pona de l'autre suki wana. Et dans la qui présentait pas Yabino Moussali Tamonion sur le bosso et Tandona Bino, Tata Pero Kwakombe, Oyo Basala qui Bokasi Poete Basala Nabino Poete va présenter Bino émission à Bino Face B de l'Europe. Kasi Poto Kombe la Bino Nabandaku, Tokoton d'Apena Makasi, Baiba Sungarab, Sotamonion sur la Sima Yamatata, Topi na Sima Yakamera, Tata Kwaku, Maisha Oyo Basunga Maki Bongo Elongo na Tata Mbala. On a Nintendo pesa matono mingi na tata mulasa oba dalaki na biso elongo po ite ba bongo kosunga biso bolimbisi plateau na biso eta la bongo susu bonzenga pe kitoko matondo mingi lisusu na direction mobimba ya vom television na tango pe na ngonga oba pesa biso po ite to ya kusembola na bino emission na bino face B de l'Europe to kutani na manaka ezali ko ya pona emission mosusu pe basango mosusu pe makanisi mosusu pe ba image mosusu ya sika oyo esala ka bongo biso pasi Bombe la bison na mikili ya poto. Matono mingi peto kutai na mbalasi. Kambo izo sale mala mokili tokyo belango. Deja ba imili ya biso pe ya trova ebya mgo. Tsukito sale loko te itoko monango. Takolisa amerikyan de suko.
koyo penza balekisi racisme et narcissisme si koyo penza balekisi soki to sale loko te to komona ngo na boy makasi bato bazotan.